Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro ici à Deauville pour ces 29e rencontres de la MRAE où j'ai le plaisir de recevoir en plateau Sophie Nerbonne. Bonjour Sophie, vous êtes directrice en charge de la co-régulation économique à la CNIL, bienvenue. Tout à fait, merci. Bonjour, et à votre gauche Léopold Larios, habitué de notre plateau. Léopold, vous êtes vice-président en charge de MRAE Formation, vice-président de la MRAE. Bienvenue. Je suis très content de vous recevoir. On va parler d'un sujet assez technique sur lequel vous avez déjà discuté au sein de ces rencontres, qui est celui de la souveraineté, du risque de souveraineté au sein des entreprises et notamment autour du digital. Est-ce que vous voulez me raconter finalement ce que c'est la souveraineté digitale? Est-ce que c'est comment finalement on surveille les informations numériques qui sortent ou qui rentrent dans notre entreprise et finalement comment on manage tout ça? Sophie, vous voulez commencer? Merci, et je suis ravie effectivement de partager ces échanges ici. La souveraineté numérique, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, et c'est un terme qui recouvre plusieurs notions, qui sont à la fois comment se défendre et comment effectivement récupérer une certaine autonomie. On ne peut pas être autonome dans tous les secteurs, mais on le sait, l'Europe est un nain numérique par rapport aux grands continents américains, nord-américains, asiatiques, avec la Chine. Et il y a une prise de conscience, et là, le programme de décennie numérique de la Commission européenne donne un petit peu montre le flambeau pour que, effectivement, on soit en capacité de retrouver cette autonomie dans la collecte et la gestion des données personnelles en ce qui concerne effectivement la CNIL, ouais, dont c'est l'objectif et la mission première, mais de façon beaucoup plus large, réindustrialiser la France et le continent européen une fois encore pour lui permettre de ne pas être complètement dépendant des GAFAM et des BATX. Très bien. Léopold, est-ce que les entreprises aujourd'hui, elles sont finalement très à même de ce risque de souveraineté numérique? Elles en ont conscience? Est-ce qu'elles sont avancées dans la protection des données? Comment est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux des entreprises que vous connaissez, notamment en France? La question est très pertinente. Aujourd'hui, on a une prise de conscience, je dirais, qui est en devenir. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Effectivement, la CNIL nous a aidés avec la protection sur les données à caractère personnel, car elle a favorisé la prise de conscience par les entreprises, notamment de l'ensemble de leurs traitements, via la tenue d'un registre. Dans ce registre, c'est une mine d'informations extraordinaire, je pense qu'il est absolument sous-exploité, ouais, par l'ensemble de l'industrie du risk management aujourd'hui. Mais effectivement, c'est là, à cet endroit-là, il y a déjà une information de qualité. On peut mettre en perspective finalement où on en est en regardant la taille du marché, notamment du cloud. Le cloud en France, ça représente à peu près 50 milliards d'euros aujourd'hui. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché à plus 25% par an, avec un seuil 2027 où on va être à quasiment 250 milliards d'euros. Et 250 milliards d'euros, c'est l'équivalent du marché des télécoms en France. Et ce qui est incroyable, c'est horizon 2030, on est à 560 milliards. Donc on voit que c'est un marché qui a une croissance ultra forte. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les propos des hyperscalers, les AWS, les Google, qui, eux, vont représenter quasiment 60% du marché à quelques acteurs. Ce que l'on voit, c'est que sur ces hyperscalers, eh bien, quand le patron d'AWS s'exprime, il dit qu'il est sur un marché formidable, puisque aujourd'hui, le marché du cloud ne représente que 15% des dépenses des DSI dans le monde. Et donc, du coup, eux, ils se disent, c'est génial, on a un boulevard. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'emmener ce sujet autour de la souveraineté numérique aujourd'hui, parce que, pour moi, on est plutôt face à un risque émergent, plutôt face à un risque qui n'est pas forcément toujours dans nos cartographies. Et en revanche, c'est parce qu'on fait ce travail-là maintenant que, d'après moi, on va être capable d'éviter de sortir de la route et on a peut-être le choix de prendre la bonne route et la bonne autoroute. Très bien. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté numérique, à quoi on fait référence? De quoi on doit se méfier? Est-ce que ce sont des données informatiques classiques? Est-ce que ce sont des échanges de données? Pour essayer d'être un peu précis, de quoi on parle? Est-ce que c'est vraiment tout le digital, tout ce qui est connecté finalement à Internet? Qu'est-ce que ça représente matériellement parlant?
Alors, matériellement parlant, ce sont effectivement toutes les applications, gisements de données qui sont constitués par les administrations, ouais. les entreprises et les usages de chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, dans nos relations, une fois encore, avec les administrations, avec les entreprises avec lesquelles on est en relation, que ce soit sa banque, son assureur, les commerçants, les réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, on a une vie numérique, chacun d'entre nous. Les entreprises sont de plus en plus numérisées. Les risques de cybersécurité ont explosé. Et là, on voit bien qu'effectivement, cette problématique-là est devenue de plus en plus prégnante hein, dans l'état d'esprit des chefs d'entreprise. C'est là aussi moins net dans l'immense majorité des TPE-PME, mais il n'empêche qu'il y a cette prise de conscience, effectivement, de ce que ces nouveaux usages doivent forcément s'accompagner d'une protection qui existe. Et là, le règlement général sur la protection des données qui est entré en application déjà depuis près de 3 ans, puisque c'était en mai 2018. C'est très loin, le RGPD, déjà. C'est déjà très loin, mais c'est toujours très actuel. Et je dirais que son actualité est démontrée tous les jours, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul texte européen qui imprime effectivement une reprise de souveraineté sur l'usage des données personnelles. Et le programme européen en matière législative est extrêmement nourri. D'ailleurs, on s'y perd un petit peu, mais il y a toute une série de législations qui vont être prises en matière d'intelligence artificielle, en matière de cybersécurité, en matière de renforcement des obligations mises à la charge des grandes plateformes qui fournissent des services essentiels, que ce soit effectivement des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des systèmes d'exploitation. Et cela concerne vraiment chacun d'entre nous, que ce soit en tant que citoyen, que ce soit en tant que chef d'entreprise, que ce soit en tant que responsable politique. À ces trois niveaux, il y a effectivement cette obligation sur un plan économique et démocratique de mieux pouvoir contrôler effectivement les instruments du numérique. Très bien. C'est vrai que quand on parle de souveraineté et de digital et de numérique, vous l'avez dit, on pense beaucoup aux États-Unis, on pense beaucoup aux grosses plateformes de cloud. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une sorte de coordination européenne avec certains acteurs pour essayer d'avoir de bonnes pratiques? Est-ce qu'on en est encore au balbutiement? Est-ce que des choses ont déjà été faites par ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, Sophie? Alors, sur le plan, une fois encore, de l'application de ce règlement sur la protection des données personnelles, le système de coopération européenne qui a été mis en place en 2018, effectivement, repose sur l'idée d'un guichet unique qui est l'autorité du pays dans lequel est établi l'entreprise ou donc le responsable de traitement, comme on l'appelle. Ouais. Avec un système de coopération, c'est-à-dire que ce n'est pas cette autorité qui tient le guichet unique qui va être la seule à prendre la décision. S'il n'y a pas d'accord de la part des autres autorités concernées, il peut y avoir effectivement une discussion pour élaborer un consensus. Et c'est vrai que ça prend du temps, ça prend trop de temps. Il y a des plaintes, effectivement, qui sont toujours en cours d'instruction parce que, du fait que les GAFAM sont établis principalement en Irlande, au Luxembourg, c'est dans ces pays qu'il y a une congestion, évidemment, compte tenu des enquêtes et des procédures d'instruction très longues, et qu'il y a des progrès à faire sur la gouvernance européenne. Mais elle existe, elle est là, et il faut qu'elle se rôde et qu'elle accélère. Très bien, c'est une très bonne transition de gouvernance sur la gouvernance du risque. Léopold, dans les entreprises, comment on forme les gens à ces problématiques de souveraineté numérique assez nouvelles? Vous l'avez dit, c'est un risque émergent. C'est la première fois qu'on en parle. Pour le coup, nous, on a préparé un peu cette interview. C'était un peu la première fois que j'abordais le sujet. Comment on sensibilise les risk managers et les entreprises à ce type de risque au milieu des attaques cyber, au milieu de tout le reste? Eh bien, lors de nos rencontres, hier, lors des plénières, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'ancien général des armées, le général Lepointe, toutes ces personnes ont exprimé à quel point il était important que la France se préoccupe de l'ensemble de ces champs sur lesquels, finalement, la souveraineté va venir marquer son territoire. Et donc, ils faisaient référence
à la présence au niveau des satellites, de faire attention à comment ça se passe, comment ça se passe au niveau de la topographie des océans, comment ça se passe dans le digital, dans le numérique. Donc déjà, on voit que des personnes qui ont des hommes politiques et des personnes qui ont eu des responsabilités importantes dans notre pays parlent de ces sujets, les évoquent. On a des séances comme cet atelier cet après-midi qui va permettre eh bien, d'expliquer. Et ça, moi, c'est une notion qui me semble très importante. C'est qu'on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas comprendre ce qu'est le risque de souveraineté numérique si on n'a pas pris le temps d'expliquer ce que c'est. Et donc, c'est ce que l'on va faire cet après-midi. Et on a donc la chance d'avoir le directeur de la sécurité informatique, de la sécurité du groupe Orange, Patrick Guillonneau. On aura le responsable des ventes d'un opérateur français du cloud qui est OVH, en la personne de Sylvain Roury qui viendra avec nous. Et donc, en expliquant, en laissant la parole à ces professionnels, eh bien, c'est ainsi, me semble-t-il, que l'on arrive à faire émerger cette conscience. Et donc, ça va être un travail qui va être long. Il faudra de la répétition. Il faudra accepter de prendre le temps. Ce n'est pas facile. J'ai le souvenir, dans les années 2016-2017, d'une négociation sur un contrat où on me demandait d'apporter un coup de tampon sur la validation d'un projet pour utiliser une solution SaaS complètement hébergée aux États-Unis. Ouais. On avait en même temps à la MRAE fait intervenir Michel Pietri, qui était un ancien dirigeant de chez Alstom, qui avait connu la prison aux États-Unis parce qu'en fait, il était dans une espèce d'opération pour récupérer quelques actifs. Et finalement, en lui donnant la parole, en nous expliquant, attention, là-bas, on a la possibilité, quand on est sur le territoire, eh bien, d'accéder à tout. Et finalement, on a eu le retour d'indicateurs mineurs. Et ça, dans notre métier, c'est une notion importante. Quand on voit des appels d'offres, et d'un seul coup, on se dit, c'est étrange. On a comme l'impression que les parties d'en face ont la même information que nous au même moment. Et que c'est la nôtre d'information, c'est un peu gênant. Et quelque part, avec ces alertes et avec ces petits indicateurs mineurs qu'on pouvait faire remonter, eh bien nous, en tout cas moi, j'étais dans cette position de dire « Là, je suis pas fan de votre solution que vous me proposez ». Le problème, c'est qu'en 2016-2017, quand vous lanciez un message comme celui-ci, vous passiez pour quelqu'un d'un peu étonnant, et il n'y avait pas un gros collectif derrière vous. Peu d'engouement. Mais ce qui était intéressant, et ça, je crois que c'est important de le relever, c'est que ce jour-là, je pensais que la partie était pliée pour moi. Et finalement, on a Angela Merkel et François Hollande qui, d'un seul coup, convoquent le président de cette société de solutions de marketing direct en lui disant « Maintenant, il va falloir que vos data centers, avec les données des clients européens, elles soient en France et vous ne pouvez plus nous dire que ça n'est pas possible, que tout est aux US ». Et là, pour moi, ça a été un vrai marqueur, un vrai changement. Et on voit bien, là, on a un peu le Deus ex machina qui est revenu. Et finalement, c'est là où l'État souverain eh bien, repositionne et prend la décision et dit « Attention, ça, c'est là où est la limite et on reprend la main ». Très bien. Merci Sophie, merci Léopold d'être venu échanger sur ce sujet intéressant. Je vous propose qu'on fasse un point dans quelques années pour savoir si tout ça a émergé et avancé. Léopold voulait rajouter quelque chose. Une chose, l'AMRAE Formation, c'est un organisme qui fait de la formation. Plus de 300 professionnels chaque année qui sont formés. France Compétences est venue valider la formation CEFAR, on est Calliope. Simplement pour signaler que l'on a l'ambition de préparer un cursus et un parcours numérique et digital dans la MRAE Formation, avec des stages thématiques d'explication, des stages cyber sur la cybersécurité, des stages sur la gestion de crise cyber, et puis des stages sur la protection des données, parce que toute la population des DPO se doit de se former de manière continue, et on souhaite favoriser conformité, ce sujet de conformité, mais à la base, il y a effectivement un sujet de risque. Et on va préparer cette formation en parallèle avec NACNIL, qui va nous accompagner pour permettre à l'écosystème des risk managers et des responsables de conformité RGPD de trouver à la MRAE Formation une solution. Sophie, je vous en prie, vous avez le droit de... En une phrase, c'est vrai que c'était pour souligner l'importance majeure de tout ce qui est formation, éducation. On vit une révolution. Donc cette révolution numérique, il nous revient à chacun et tout au long de notre vie de se former, de ne pas avoir peur, effectivement, d'apprendre dans un
univers effectivement où ça va très très vite. Et donc on a mis en place effectivement une certification de compétences des délégués à la protection des données, qui peuvent être aussi bien des juristes que des RSSI, des auditeurs, des responsables risques, etc. Et on milite vraiment pour aider au maximum tout ce qui est relatif à cette formation. Très bien. Merci à tous les deux. Moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro tout au long de la journée pour de nouvelles vidéos.